Bienvenue au parc d'attractions de Pyongyang. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kim Il-sung, le président défunt. Et toute l'élite de la capitale est invitée à s'amuser. Et là, donc ça marche pas aujourd'hui, c'est ça? C'est un peu... Vous connaissez la quatrième dimension? Non, la quatrième dimension, c'est un peu comme ça. Dans le bateau? Ouais, on va faire le bateau. On ira ensemble. On vient ici avec des femmes, avec des jeunes filles. Ouais. On est pour blaguer, quoi, présenter. Parce que tu as plusieurs pilotes. Parce que souvent les filles, je crois, elles pissent souvent quand elles jouent avec ce bateau. Ah oui, elles pissent? Ouais. Ah oui, d'accord. Parce que ça fait un sentiment un peu bizarre quand on descend, je crois. Ah, quand on descend, ouais. Ah bah, je vais éviter de me faire pipi dessus. Ces jeunes garçons sont tous fils, petits-fils ou arrière-petits-fils des martyrs de la nation. Morts pour le parti, leurs enfants sont traités en héros. Pourquoi est-ce que moi, tout ce que je vois ici quand je viens encore une heure, c'est des gens qui vivent et qui s'amusent, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'il y a une aussi mauvaise réputation, je comprends pas, moi. Non, mais c'est vrai. Regardez, quand moi je dis je viens encore une heure, tout le monde dit, mon Dieu, c'est terrible. Pourquoi il y a ça? C'est parce que c'est la faute de la propagande des Américains. C'est la propagande des Américains, ouais. C'est parce qu'ils sont plus choquants des Américains. C'est de la réputation. Contre la République. Ouais. Ah, c'est fini. Oula. Ça va? Ça va. Je me sens pas tellement bien. Ils sont pas très bien. Bon, on va arrêter alors. Bon, voilà, une première. Le communisme, c'est aussi... Non. C'est moins marrant pour les gens qui sont dans les goulags. Mais sinon, c'est top. Hein? Il faut que je souris parce que je suis obligé. C'est bien, ça date de quelle époque? C'est les années 70, ça, non? Non, 90. 90. 80. 80. Que de prendre une montagne russe qui date des années 80 en Corée du Nord. Et pour vous, nous allons le faire, hein, Gaël. J'en fais pas de four. Ça va, Mario, c'est parti. Regarde là, il y a la liste des prix. Mais je veux dire, combien il faut payer, combien les garçons doivent payer pour jouer? C'est quoi, c'est 5 C'est presque gratuit. C'est presque gratuit. Mais c'est pas gratuit non plus. Pas tellement cher. Pas tellement cher, d'accord. C'est pas toujours gratuit. Mais le socialisme, c'est gratuit normalement, si tout le monde est égal, non? Non, non, non. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le communisme. Ça, c'est le communisme, hein, d'accord. Oh, d'accord. J'ai pas compris. Avant c'était communiste, maintenant c'est socialiste. J'ai pas compris. Non. C'est quoi la transition? Après la victoire finale du socialisme, ouais, commence la construction du communisme. Ah d'accord. Donc là on a encore. Encore cette fois. On va maintenant vers la victoire finale du socialisme. Ah d'accord. Donc quand il y aura le communisme, tout ça, ce sera gratuit. Oui. Ah d'accord. Oh, très bien. On va où maintenant?